Cette deuxième séance des débats d'Osaïe que nous avons lancée le mois dernier, la dernière fois, le webinaire, la première séance avait porté sur le droit à l'eau. L'eau, une marchandise ou un service payant, ou un droit humain fondamental. Et cette nouvelle séance des débats, donc deuxième webinaire, portera sur le droit au foncier, si je peux résumer en deux mots. Hein. Le foncier agricole entre marginalisation sociale et souveraineté alimentaire ou sécurité alimentaire. Il y a presque, il y a quelques mois, notre ami, au mois de mai 2020, dans le journal, le JPS, Journal of Peasant Studies, notre ami Max Hegel a publié un article hyper intéressant par ailleurs que je vous conseille et qui l'a intitulé Does the Arab Region Have an Agrarian Question? Bien sûr, c'est une question de provocation. On connaît tous Max Hegel, on sait qu'il n'est pas naïf à ce point-là. C'est une question fondamentale et évidemment, la réponse, lui-même dans son article, il répond bien sûr oui, c'est son détour. Et ce que nous essayons de faire dans ces débats d'Osaïe, c'est de donner les différentes dimensions de la question. Agraire en général, dans le sens très très large, dans la région, à commencer par la Tunisie, où l'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement existe et est actif depuis maintenant 4 ans, très très précisément. Le 16 mars, c'était notre 4e anniversaire. Et bien sûr, en étendant notre réflexion et nos travaux sur l'ensemble du Maghreb et même au-delà, que ce soit vers le sud, dans le reste du continent africain ou vers les pays arabes. Il y a une question, bien sûr, question dans le sens de issue, donc question de problématique ou de problème agraire. Dans le monde arabe, et je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas une prise de parole dans ce webinaire. J'ai préféré laisser la place à nos amis et collègues Mohamed Mahdi Béchiri et Sakr Nour, sous la houlette de mon ami et notre collègue à tous, Corinne Mullen. Et donc, moi, je vais juste commencer par dire que, bien sûr, qu'il y a une question agraire et je vais en souligner un seul point et après, je céderai la parole à mon amie Corinne pour diriger la séance. Les trois pays, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, on pourrait élargir à l'Algérie d'un côté et à la Libye de l'autre. Les trois pays qui sont couverts aujourd'hui par vos interventions ont connu une période coloniale, ont connu aussi, tous les trois différemment, mais ont connu des réformes agraires et qu'ils ont tous les trois abandonnées et tous les trois se sont lancés depuis quelques décennies dans une politique néolibérale et qui, pour ce qui est de l'agriculture, s'aligne tourne autour d'une politique de libéralisation, bien sûr, des ressources et de la privatisation de la ressource et bien sûr, du soutien à l'agro-business et qui, avec l'idée de soutenir l'export et ainsi de suite. Et à fur et à mesure, on observe trois éléments fondamentaux. La dépendance alimentaire augmente,
on importe de plus en plus de produits alimentaires de base, pas seulement des produits consommables, mais des produits alimentaires de base. La pluriactivité dans le secteur agricole augmente, ce qui est un signe d'appauvrissement. Et puis, un autre signe d'appauvrissement, c'est la féminisation du travail agricole aussi, qui est dans notre contexte des pays du Sud, est un signe d'appauvrissement de la paysannerie. Alors, je finirai par ce dernier point, comme pour ne pas être très très long. Ça, c'est le constat. Et ma question, c'est est-ce que le retour à une politique de réforme agraire serait ou pas la solution incontournable pour un meilleur niveau de souveraineté alimentaire? Voilà, c'est juste pour ouvrir le débat. Et puis, donc, merci à vous tous et toutes d'être là. Merci à mes amis, les intervenants, Bachir, Saqar et Mohamed, d'avoir accepté cette intervention. Et un grand, grand merci à Corinna Millen qui a accepté d'animer le débat. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci, Corinna, à toi. Merci Habib pour cette introduction. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Bonjour, marhaba beykoum et bienvenue à toutes et tous dans le deuxième webinaire de cette série de débats qu'organise OSEE, intitulé « Le foncier agricole en Afrique du Nord entre insécurité alimentaire et marginalisation sociale ». Un grand merci à nos intervenants d'avoir pris le temps pour partager leurs connaissances avec nous ce soir. L'injustice foncière qui subissent les paysanneries de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Maghreb, est particulièrement caractéristique des politiques capitalistes et extractivistes. Les transformations du secteur agricole vers le modèle intensif, fortement mécanisé et modernisé et principalement orienté vers l'export, a en plus l'aggravation de l'enracinement de la dépendance alimentaire, aussi créé un gap extraordinaire entre les millions de paysans dépossédés de leurs terres, leurs ressources naturelles, appauvris et marginalisés, et quelques grands propriétaires et investisseurs qui accumulent des bénéfices et des richesses, parfois sans comparaison avec les réalités sociologiques et économiques locales. Héritage de l'époque coloniale, les inégalités foncières actuelles témoignent aussi des changements profonds des modes et relations de production et de l'abandon accéléré de l'agriculture paysanne qui aggrave et renforce l'insécurité alimentaire locale et la dépendance alimentaire nationale. Ces inégalités foncières et leur évolution montrent assez clairement la complexité et la gravité du problème. Nos intervenants ce soir discuteront des différents aspects de cette question agraire. Dans un premier temps, Béchir Yézidi parlera de dépendance alimentaire et héritage colonial en Tunisie. Ensuite, nous aurons Saqar El-Nour qui analysera la question de l'acquisition de terres agricoles et son rôle dans la formation des classes sociales, les relations de pouvoir et le développement d'un capitalisme sauvage sur 2 siècles d'histoire de la propriété foncière en Égypte. Notre dernier intervenant, Mohamed Mahdi, discutera de la relation entre la sécurité foncière et l'insécurité alimentaire au Maroc. Les présentations seront suivies d'une session de questions et réponses et de discussions. Entre-temps, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la section des commentaires. Bon, je commencerai par vous, présenter Béchir Yézidi. Béchir Yézidi est une historienne à l'Université de Menouba à Tunis.
spécialiste de l'histoire contemporaine. Parmi ses nombreux travaux et publications, la politique coloniale et le domaine de l'État en Tunisie de 1881 jusqu'à la crise des années 30, paru en 2005. Il est aussi l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées en Tunisie, Maroc, France, Espagne et Liban, et qui traitent du domaine de l'État et essentiellement le domaine hydraulique durant la période coloniale. Le titre de son intervention ce soir est « Dépendance alimentaire et héritage colonial ». Vous avez la parole, Béchir. Merci. Vous m'écoutez, j'espère. Hein? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous m'écoutez, hein? Très bien. Oui, oui. Donc, voilà, pour commencer, je remercie. C'est bon? OK. Donc, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on soit réunis aujourd'hui pour donc échanger des idées à propos donc d'une question très importante, très sérieuse, donc la dépendance ou alimentaire ou l'absence de la souveraineté donc alimentaire dans les pays du Maghreb d'une manière donc plus particulière. Il y en a d'autres, bien sûr. Et mon intervention, bien sûr, sera celle d'un historien spécialisé dans la période coloniale en Tunisie. Et à propos donc de cette question de la dépendance alimentaire, j'ai choisi d'essayer donc d'expliquer ce que nous vivons aujourd'hui, ce que la Tunisie vit aujourd'hui. Serait-il ou serait-elle cette situation donc à l'origine donc de ce que la France a fait en Tunisie durant les trois quarts de siècle de sa présence dans le domaine donc agricole d'une manière générale et surtout dans l'application d'une politique foncière qui pourrait peut-être être à l'origine de ce que la Tunisie souffre aujourd'hui. Permettez-moi, mes amis, pour commencer donc d'introduire ce propos par un passage d'un ouvrage du feu Hav Septom, Pouvoir urbain et paysannerie en Tunisie. Et il dit, en 1992 déjà, je cite, « Le monde rural tunisien, comme celui de la plupart des pays du tiers-monde, connaît une crise profonde et durable. Les manifestations les plus visibles de la crise sont bien connues, le sous-emploi et le chômage, la pauvreté, l'exode rural chronique depuis plus d'un demi-siècle, l'incapacité de plus en plus grave de l'agriculture d'assurer l'autosuffisance alimentaire et le recours régulier à des importations massives de céréales, de lait, d'huile, de graines, de sucre, etc. Ainsi, depuis une vingtaine d'années, l'agriculture tunisienne n'atteint plus son but essentiel, celui de nourrir la population des campagnes et celle des villes. Donc, à quel point le potentiel de développement de l'agriculture tunisienne a-t-il été desservi par son passé colonial? Une telle question appelle une autre, et qui se demanderait si le régime colonial n'a-t-il pas aussi contribué à moderniser le secteur agricole et l'a arraché de plusieurs contraintes archaïques? C'est une autre question. Et si nous souffrons aujourd'hui d'une dépendance alimentaire, faut-il aller chercher des explications dans la politique économique de ce nouvel État qui est la Tunisie indépendante? Rappelons rapidement que d'autres facteurs pourraient aussi expliquer ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est-à-dire les facteurs géographiques. Ils ont aussi une importance dans ce que nous vivons aujourd'hui. On peut prendre ces facteurs en compte dès lors qu'on tente une analyse de la question. Mais dans ce travail, je mettrai l'accent beaucoup plus sur la politique coloniale dans le domaine de l'agriculture, depuis l'établissement du protectorat jusqu'aux premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
La thématique centrale de cette communication est axée sur la question foncière durant la période coloniale, mais l'objectif final est de dégager les éléments susceptibles d'expliquer et de clarifier une situation que vit la Tunisie actuellement, à savoir la dépendance alimentaire. Donc, à la suite de ce que je pourrais appeler la pacification du pays, c'est-à-dire après l'arrivée des Français en Tunisie en 1881, la France s'est lancée dans un processus de la mise des potentialités du pays au profit de ses intérêts. Donc, une véritable politique coloniale, elle est en porte-à-faux avec les traités, qui n'est plus donc un protectorat, c'est devenu presque donc une colonisation directe. Donc, cette politique coloniale s'est déclenchée avec des moyens d'action, des mécanismes, des stratégies touchant tous les secteurs. Et un fil conducteur lié à ces moyens, c'est le contrôle et l'administration de l'espace, en plus du contrôle de la population. Un point très important, s'il vous plaît, à mettre donc en contact avec la question foncière et la question législative. Parce que la législation en matière du foncier allait jouer un rôle de première importance. Les textes de loi introduits par la France allaient permettre aux colons la mise en valeur des richesses du pays. L'élaboration du droit foncier moderne n'a pas empêché de faire appel à la tradition musulmane. Le pouvoir colonial, donc intelligemment, a d'abord procédé à l'adaptation progressive du régime foncier existant à ses besoins, et peu à peu, il a procédé à une francisation du secteur clé du droit musulman en soumettant les terres aux besoins de la colonisation. Donc, dans cette stratégie, on avait accordé une priorité évidente à l'élaboration du droit foncier pour pouvoir soumettre à la domination française la base de la richesse du pays, c'est-à-dire la terre. Donc, l'intrusion du droit colonial dans les affaires foncières et son impact sur la situation de la propriété en Tunisie a fait que les autorités coloniales usent du droit pour atteindre leur velléité de domination. Donc, un premier point, rapidement, la situation foncière à l'arrivée de la colonisation, pour avoir une idée sur ce qui était en Tunisie avant donc l'arrivée des Français. Et à la veille du protectorat, je rappelle que la Tunisie était un pays économiquement peu développé, de grandes propriétés sont mal entretenues, la faible concentration des capitaux allait vers la spéculation immobilière ou le commerce et rarement vers la production. Donc une situation qui, avec les aléas climatiques, expliquerait les fréquentes famines et la misère de nombreux habitants de la Régence. Donc, à ce point-là, je n'oserais pas encore parler de dépendance alimentaire. Les gens, ou bien ils mangent, ou bien ils meurent de faim. C'était très simple. Donc, il n'y avait pas un souci d'importation de produits alimentaires. Les immeubles fonciers se trouvaient, lors de l'occupation française, placés sous l'empire de la législation musulmane. C'est une législation qui envisage les biens fonciers sous 12 aspects. Un aspect politique et un autre économique. La complexité et la multiplicité de structures foncières rendaient la situation encore plus noueuse et plus difficile à gérer pour les Français. Il y a ce qu'on appelle les tarahbous, que vous connaissez peut-être, ou ce qu'on appelle les talwaqf pour l'Égypte. Il y a les terres qu'on appelle milk, c'est-à-dire les terres privées. Il y a ce qu'on appelle le régime de la division, c'est-à-dire que le sol, il appartient donc à la tribu. Donc, il n'y a pas une idée très claire sur le régime donc, de la propriété. Donc, l'administration coloniale avait certainement mis à profit cette anarchie ou ces lacunes de la gestion des terres, et notamment en ce qui concerne ce que nous appelons en Tunisie les terres ou les biens beyliques, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'État. Beylik, ça vient du bey, parce que le bey, c'était l'État à l'époque précoloniale. Donc, et petit à petit, donc, ces biens, ce qu'on appelait les biens beyliques, sont devenus ce qu'on appelait après donc, les biens de l'État ou le domaine de l'État. En effet, le pouvoir colonial est devenu, à la place du bey, à la place donc du souverain tunisien, le grand concessionnaire des terres tunisiennes. Et il s'était comporté comme s'il était le détenteur d'un pouvoir éminent sur le sol tunisien qu'il concédait à ses propres favoris. Selon l'appréciation des juristes français, le régime foncier tunisien paraissait empreint
de la plus grande confusion qui ne tenait pas tant à l'archaïsme des institutions qu'à l'incertitude des titres trop peu explicites quand ils n'étaient pas faux, à l'existence de charges ou de droits pour lesquels aucune publicité n'était organisée, au flottement de la possession liée à l'instabilité donc, des populations. Donc, à la veille de l'établissement du protectorat ou de la colonisation française, la plupart des grands domaines, pour s'en tenir qu'à cette catégorie, ne dépassaient pas 200 ou 300 hectares de terres labourables. Hein. Il importe de distinguer les terres cultivables de la superficie totale du domaine. Dans un état rudimentaire comme celui que connaissait alors l'agriculture tunisienne, c'est la surface labourable et elle seule qui compte. Les moyens techniques et les capitaux manquent, en effet, pour le défrichement et pour rendre donc ces terres plus exploitables. Donc, à cette époque, les terres, ou ce que nous appelons ici en Tunisie le henchir, c'est une grande surface agricole, d'une superficie moyenne de 4 à 5000 hectares, renferment à peine 1000 hectares de terres labourables. Les cultivateurs tunisiens, donc autochtones, font toujours cette distinction qui est mise au second plan par les colons européens au moment où ils arrivent dans le pays. Donc, peut-on avancer dès maintenant que la situation du régime et de la structure foncière à la veille du protectorat annonçait déjà l'acheminement vers un déséquilibre de production agricole et annonce une dépendance alimentaire? C'est une interrogation. La mainmise de l'administration coloniale sur de nombreux hectares des meilleures terres allait-elle accentuer ce processus aux dépens des Tunisiens? Une autre question. Ou allons-nous assister à une amélioration des conditions de vie de la population? Et pourquoi pas? Donc, avec l'établissement du protectorat, il y a eu tout d'abord une première expérience coloniale qu'on appelle la colonisation privée ou la colonisation spéculative. Donc, faire de la Tunisie une terre d'exploitation cadrait mieux avec les engagements de la France, parce que la France est en Tunisie à titre de protecteur. Donc, elle n'est pas officiellement donc, le propriétaire, comme c'est le cas en Algérie, par exemple. Donc, l'activité de ce que nous appelons les privés n'engageait en rien, du moins officiellement, le gouvernement français. Celui-ci devait toutefois mettre tout en œuvre pour faciliter la tâche de ceux-là. Dans ce cas, le gouvernement français aurait l'air de respecter encore mieux les textes des traités. Donc, cette forme de colonisation spéculative, qui représentait une originalité par rapport à la politique menée en Algérie, remontait en fait à l'époque précoloniale, quand les étrangers pouvaient acheter donc, des terres en Tunisie. Et en 1884, on trouve 40 000 hectares qui sont acquis et plantés, surtout en vigne, autour de Tunis et dans la vallée de la Medjerda. Ensuite, on s'adonna à la culture des céréales, crise des vignobles oblige. Le protectorat fournit aux capitalistes des garanties qu'ils ne trouvaient pas auparavant. Et les grands domaines du Nord sont bientôt achetés par des Français et d'autres Européens aussi. Mais de 1885 à 1892, les acquisitions se ralentissent, à cause notamment de l'incertitude des titres notariés tunisiens, de la faiblesse du réseau des communications et des difficultés que présente surtout l'exportation de la production. Donc, la situation économique allait vers une transformation totale. Si auparavant, le but du système économique était de procurer à chacun sa subsistance, nous fournissant à l'exportation, c'est-à-dire au marché, au sens économique du mot, que le surplus de la production, il tendait désormais à satisfaire les exigences des marchés extérieurs sans se préoccuper, autre mesure, des besoins de la population. Donc, la colonisation dite privée illustre parfaitement le développement impérialiste du colonialisme. D'un autre côté, le défrichement du terrain par les grands capitalistes était nécessaire dans un premier temps. Donc, le gouvernement du protectorat acceptait au début cette forme de colonisation et l'encourageait même, croyant qu'elle allait se mettre au service de la colonisation agricole française en Tunisie. Et cette forme de colonisation, si elle n'a pas permis l'installation à une grande échelle de ce que nous appelons les petits colons, c'est-à-dire ceux qui vont peupler la Tunisie, elle était loin d'avoir donné des résultats insignifiants. Donc, de riches capitalistes français, individuellement ou par groupe, c'est-à-dire de nombreuses sociétés françaises, ont acquis en Tunisie de grands domaines, ont constitué des vignobles, de riches capitalistes sont devenus céréalistes,
Je dis céréalistes et non céréaliculteurs, parce qu'ils étaient des céréalistes, parce qu'ils étaient absents. Ils possédaient des terres en Tunisie, mais ils n'habitaient pas en Tunisie, ce que nous appelons donc les absentéistes. Donc, ils ont planté de véritables forêts d'oliviers, et de là, un mouvement de capitaux considérable qui s'est mis en marche en Tunisie. Mais cette colonisation privée n'avait pas donné les résultats escomptés en ce qui concerne la colonisation de peuplement, ce que voulait la France. Donc, il va y avoir une autre forme de colonisation dès la fin du XIXe siècle. Donc, l'idée d'une mise en valeur se fait toujours assez vite. Et dès 1892, le gouvernement s'emploie à reconstituer la forêt d'oliviers de Sfax et à réglementer l'acquisition des terres, surtout dans le nord. On trouve que la direction de l'agriculture rachète leurs terrains aux spéculateurs, les allotit et les livre à exploitation. Donc ce mouvement de morcellement se prolonge jusqu'en 1914. Mais qu'est-ce que c'est que cette donc, nouvelle politique qu'on appelle colonisation officielle? Donc, selon l'idée ou selon la direction de l'agriculture, l'idée d'utiliser pour l'installation de nos compatriotes, donc je cite, hein, certaines terres incultes du patrimoine domanial et d'acheter des propriétés disponibles à l'aide de fonds spéciaux afin de vendre les unes aux autres avec facilité de paiement sous des conditions convenues donne naissance à la colonisation officielle. Donc, dès 1890, le gouvernement créa une direction de l'agriculture dont l'activité se tourne vers donc, la plus grande productivité possible de l'économie tunisienne. Cette administration, toute imprégnée de l'esprit capitaliste, ne parle que de mobilisation des terres, de développement de la colonisation, de recherche agronomique, etc. Donc, pour obtenir ce résultat, il fallait des colons et des terres. Pour les terres, la direction de l'agriculture disposait de l'immense patrimoine foncier qu'elle avait rangé, comme je le dis au début, dans les biens de l'État. Elle avait aussi disposé des biens habs waqf et des terres des tribus, ce qu'on appelle les terres arsh. Et les attributeurs bénéficiant d'un lot devaient se consacrer à la mise en valeur pour leur propre compte. Ils n'ont plus donc d'absentéisme. Donc c'est une période d'extension de la colonisation et il y a eu beaucoup de défrichements, l'extension des cultures des céréales et la Première Guerre mondiale va freiner pendant le déroulement des hostilités cette activité donc, qui va essayer de mettre en valeur le sol tunisien. Et on assiste après la fin de la guerre à une reprise très forte de la colonisation et un engouement pour donc, l'achat des terres et la prospérité de l'agriculture était vraiment manifeste, surtout que les cours des blés, du blé, je prends l'exemple du blé, étaient donc élevés dans les marchés extérieurs. Et aussi, on a commencé à moderniser l'exploitation donc, agricole, et la Tunisie est devenue parmi les plus grands pays du monde, je dis bien du monde, dont l'agriculture est mécanisée. Évidemment, ceci en tenant compte du nombre des tracteurs, par exemple, par hectare. Et elle est bien donc classée, et les grands propriétaires français ou européens, et aussi les grands propriétaires tunisiens, donc usaient d'une manière très importante de cette mécanisation. Mais après la prospérité donc, de cette période, il va y avoir donc un effondrement des cours et des difficultés d'écoulement des produits. C'était à cause justement du déclenchement de la crise des années 30 dans le monde et en Tunisie évidemment qui a été touchée par ce cataclysme. Je dois rappeler que parallèlement à la politique coloniale, il y a eu de la part de la France une autre politique qu'on appelle indigène, entre guillemets, c'est-à-dire une politique en faveur des Tunisiens, en faveur de ce qu'on appelle le falah tunisien, qu'on a encouragé donc pour mettre en valeur la terre. Évidemment, ce n'est pas pour les beaux yeux des falah tunisiens, mais c'était surtout pour des raisons sécuritaires et pour sédentariser donc les tribus nomades et mieux donc les contrôler, surtout que il y a eu donc le début de ce qu'on appelle le mouvement national. Il ne faut pas que ces falah forment une assise populaire pour les nationalistes tunisiens. Donc, on a entamé, surtout à la fin des années 30,
un fameux programme en faveur des Tunisiens des Falers qu'on appelle le programme de paysanat pour pouvoir mettre donc des surfaces laissées en friche. Donc, mais cette politique, malheureusement, a été interrompue par le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et on va donc assister à un tournant dans la situation foncière durant cette période parce qu'il va y avoir donc des mutations politiques, des mutations socio-économiques et la persistance aussi de problèmes d'ordre naturel comme la sécheresse. Les mauvaises récoltes donc vont être manifestes de 1944 à 1947. Donc, il y a un problème dans la reprise économique. Et il y a aussi des tensions, des contestations sociales qui ont été à l'origine des changements et des réajustements entrepris par la métropole dans sa politique coloniale. Donc, pourtant, la scisse foncière, et là j'arrive à ma conclusion, la scisse foncière était encore susceptible d'améliorer les rendements agricoles. Le problème fondamental, c'est-à-dire le problème vital pour la Tunisie, celui dont la solution conditionne celle de tous les autres, c'est celui d'accroître et d'intensifier au maximum l'équipement économique du pays, de développer sa mise en valeur. Donc, pendant ce tournant, comme je l'ai dit, il y a des facteurs externes au système de production qui étaient à l'origine de la chute de la production. Donc, la Tunisie, après avoir été exportatrice, par exemple, des céréales et des huiles, surtout les huiles d'olive, évidemment, elle est devenue importatrice des céréales, surtout le blé pantre, et aussi des huiles de graines, chose nouvelle pour les Tunisiens qui ne connaissaient que l'huile d'olive. Donc, pour terminer, je dis que le constat est tellement mitigé et qu'on arrive difficilement à mettre sur le dos de la France le poids de la situation que vit la Tunisie actuellement. La politique de la France s'est proposée, d'une part, je rappelle un peu rapidement, de créer une agriculture spéculative, gérée directement par des colons européens, et aussi de favoriser le développement de cultures commerciales chez le falaire tunisien, comme l'oléiculture, les vignobles de cuves. La Tunisie était parmi les plus grands pays producteurs de vin et exportateurs de vin. Donc, il y a eu la céréaliculture, après l'introduction du blé tendre que les Tunisiens pour produire la farine. Les Tunisiens ne connaissaient que le blé dur pour la semoule. Donc, ces résultats encourageants, certes, à première vue, ne concerne, et c'est ça la réalité, que certaines spéculations, selon toujours notre professeur Septima Lerpo, et quelques régions du pays. Donc, l'agriculture de subsistance s'est maintenue dans d'autres régions. La céréaliculture d'autoconsommation et l'élevage restaient les activités prédominantes d'une population encore repliée sur elle-même, qui avait peu de rapport avec le marché. Donc, on a hérité avec l'indépendance une situation qui était donc propre à la période de l'après-deuxième guerre mondiale, une situation donc qui a commencé qui a connu donc des difficultés dans le domaine de l'agriculture et surtout dans la production des produits de base. Est-ce que la Tunisie, en gérant donc ce problème-là en 1956, à partir donc de l'indépendance totale, d'une manière à essayer donc de revenir à une situation meilleure, les résultats que nous connaissons à la fin des années 50 et durant la période donc de réforme agraire, entre guillemets, le collectivisme de la politique de Ben Salah, n'ont pas donné donc les résultats escomptés et la Tunisie s'est engagée donc presque définitivement, je dis définitivement, à moins qu'il y ait une autre solution, dans un tunnel de dépendance et d'une perte de souveraineté donc alimentaire. Voilà en gros, pour ne pas donc accaparer la parole, la relation entre héritage colonial et la situation que la Tunisie vit actuellement. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Béchir, pour cette présentation vraiment intéressante, fournit un contexte historique tellement important et riche. Et merci pour rester à l'heure aussi. Je vais maintenant présenter notre prochain intervenant, Sakhr Nour. Il est sociologue ruraliste. Sakhr Nour est chercheur indépendant.
Ses recherches portent sur les questions d'accès aux ressources naturelles, de souveraineté alimentaire et des changements environnementaux et agricoles en Égypte et dans le monde arabe. Il a obtenu son doctorat en sociologie à l'Université de Paris-Nanterre. Il a publié ses rapports de presse sur les plateformes de journalisme participatif. Le titre de son intervention est « Accumulation par dépossession, une lecture à long terme de l'évolution de la propriété agricole ». Merci Saker, à vous. La parole à vous. Merci bien. Je vais juste, je vous remercie pour l'intervention et je vais présenter en fait en arabe. Comme ça, il y aura peut-être des Égyptiens qui intéressent ce sujet, peuvent être agir ou interagir. Mais avant, j'ai besoin d'accès pour partager l'écran. Si, j'arrive. D'accord. مساء الخير. المداخلة بتاعتي هتكون تحديدا بعنوان التراكم عبر نزع الملكية قراءة طويلة الأجل لتطور الملكية في مصر. ولا وزي. تمام. مسألة الاستحواذ على الأراضي اليوم تشغل حيز كبير من النقاشات اللي هو land grabbing بسبب أولاً إنه في عمليات استحواذ على الأراضي في أفريقيا وأيضاً بسبب الكتابات الحديثة حوالين التفاوت وغياب العدالة زي مثلاً كتاب توماس بيكيتي وكتابات أخرى في هذا الاتجاه بتتناول حوالين مسألة تفاوت الملكيات في العالم. في المداخلة دي أنا بحاول أقدم قراءة طويلة المدى بمعنى أنه بحاول أفهم العملية من خلال النظر لما حدث في مصر خلال قرنين من الزمان وفي نفس الوقت ببص على طول الخريطة المصرية وليس فقط الوادي والدلتا لأنه في نقاشات كتير حوالين تحولات الملكية في القرن 19 في الوادي والدلتا بس في النصف الثاني من القرن 19 النصف الثاني من القرن العشرين في تغيرات كتيرة حصلت في الصحاري تمام؟ فالفكرة الأساسية أن أنا أبص على التغيرات دي من بداية دخول مصر في العالم الرأسمالي وبعدين التحولات اللي حصلت بعد كده وعشان أفهم أو عشان ندرس الموضوع ده بستخدم مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو مفهوم ديفيد هارفي حوالين الاستحواذ عبر نزع الملكية اللي هو بيتكلم عن ظاهرة تركيز الثروة بين عدد محدود من الأيادي وهو المفهوم الذي طوره ديفيد هارفي عبر إعادة قراءة أفكار روزا لوكسمبورغ حوالين أنماط التراكم الرأسمالي غير المرتبطة بالإنتاج أو غير الاقتصادية ومفهوم التراكم البدائي لماركس واللي بيعني بالأساس عملية فصل الفلاحين عن الأراضي وتحويل وسائل الإنتاج الاجتماعي لرأس مال وبالتالي تحويل الفلاحين إلى عمال زراعة أو عملية البلترة كما نسميه. ده المفهوم الأولاني اللي أنا بستخدمه في محاولة التحليل. أما المفهوم الثاني فهو مفهوم طوره مؤرخ وعالم اجتماع مصري اسمه محمد حاكم وهو درس عملية مسألة التمايز الطبقي في مصر في القرن 19 ومحمد حاكم بيستخدم حاجة هو بيسميها صندوق أدوات لفك وتحليل مسألة الملكية. هو بيقول إنه الملكية لو تم دراستها بناء على المفهوم الغربي للملكية بيضيق حيز فهمنا للظاهرة، بالتالي هو بيقترح ثلاث مفاهيم عشان نفهم عمليات العلاقة بالأراضي. المفهوم الأول هو الاستحواذ وهو أشمل من الملكية، والمفهوم الثاني المركب الحقوقي بمعنى إنه في حقوق مختلفة قد تكون موجودة على نفس الأرض في نفس الوقت، والمفهوم الثاني هو الموازنة الحقوقية.
انه رغم انه في حقوق مختلفه موجوده في نفس الوقت على نفس الارض، الا انه الحقوق دي بتخضع لموازنات وعلاقات قوة بتتغير بالوقت. تمام؟ استخدام بواسطة المفهومين دول أنا بقى بحاول أبص على التاريخ الطويل لعمليات التراكم، وطبعاً هي مش عملية تاريخ كاملة، ولأنه بدرس قرنين أو ببص على قرنين من الزمن، فطبعاً في عمليات اختزال رهيبة بتتم. لكن بشكل عام بنتكلم عن ثلاث أشكال أساسية من نزع الملكية في مصر، والأول أنا بسميه تشكل الملكيات الزراعية الكبرى في مصر. وعشان نفهم عملية تشكل الملكيات الكبرى في مصر بنرجع لعصر محمد علي، وهي نقطة انطلاق مركزية في تعريف العلاقة بين الفلاحين والأرض والسلطة. حكم محمد علي كان ما بين 1805 و1846، وشهد تغيرات مهمة جدا، وشهد أشكال متعددة من عمليات الاستحواذ. في بداية حكم محمد علي استخلص الأراضي من أيدي المماليك، وعن طريق فرض مزيد من الضرائب اللي كانت تسمى الفايز، وفرض ضرائب جديدة، ففي مماليك وفلاحين ما قدروش يدفعوا الضرائب فتنازلوا عن أراضيهم. في نفس الوقت أجرى محمد علي مسح زراعي، مسح للأراضي. كان أهم نتائج المسح ده إنه شكل طبقة من الموظفين والمراقبين بتتحكم في كل عمليات الزراعة وليس فقط الإيرادات الزراعية. يعني هو عمل شيء اسمه لائحة الفلاح، بتشرح بالضبط ما يجب عمل الفلاح في كل خطوات الزراعة، امتى يزرع، يزرع ايه، يزرع ازاي، وشكل حزمة او سلسلة من المراقبين لكل عمليات الزراعة، بشكل حول نسبيا القرى لمعسكرات. لكن هذا الشكل من السيطرة وتحكم الدولة في الاراضي، وانه الاراضي كلها مسيطرة من قبل الدولة وموظفين الدولة، تأثر بشكل كبير بهزيمة محمد علي في سوريا سنة 1840، واضطر يرجع للوراء واستعاد نظام قديم اسمه نظام الالتزام، هو سماه العهدة، بمعنى أنه هو خد فكك حزمة الموظفين كانت مسؤولين، وابتدى يكلف مجموعة من الأعيان والكبار أن هم يدفعوا للدولة الضرائب ويجمعوا بطريقتهم الضرائب من الفلاحين. الملفت أنه هي دي اللحظة التأسيسية للملكية الزراعية في مصر. إزاي؟ لأنه أرض العهدة دي، لأنه خلال حكم محمد علي تشكلت أشكال متعددة من الملكيات الكبيرة، العهدة وحاجة اسمها الجفالك والأبعديات. العهدة اللي هي أراضي فلاحين تم توكيلها لكبار نافذين وذوات، يعني عشان يدفع الضرائب وبعدين يجمعها الفلاحين. لكن في 1884 تم عهدة أجود الأراضي لأسرة محمد علي، يعني مثلاً 120 ألف فدان كانت في عهدة محمد علي، و98 ألف فدان في عهدة إبراهيم، وبعدين كمان في حوالي 900 ألف فدان في عهدة ضباط أتراك وكبار محاسبين وأعيان. وفي عام 1846 تحولت العهدة إلى ملكية خاصة، بمعنى أنه تم نزع حوالي 1,000,000 فدان من 2.5 فدان كانت تزرع في الوقت ده من أراضي الفلاحين، تحولت إلى ملكيات خاصة للأسرة العلوية، أسرة محمد علي ولكبار الأعيان. مش بس ده الشكل الوحيد، لكن كمان الجفالك اللي هي كانت أملاك خاصة لأسرة محمد علي تحولت إلى ملكيات خاصة، وبعدين الأراضي اللي منحت، الأبعديات اللي منحت للمشايخ العرب تحولت لملكيات خاصة. كل ده حصل على مدى 40 سنة لغاية ما وصلنا في عام 1800، وعلى مدى 60 سنة، عام 1860، إنه تقريبا تلت الأراضي اللي كانت أراضي فلاحين تحولت إلى أراضي تملكها فئة معينة، هي فئة خارج الزراعة. تمام؟ وده بيمثل
أما الفلاحين اللي كانوا بيزرعوا أراضي الآثار واستمروا في زراعتها، فمع إقرار الملكية العقارية في عهد سعيد يعني 1860، في حدود 1860، أصبحوا أيضا ملاك لكن صغار ملاك. لكن الملكيات الكبيرة في المرحلة دي تشكلت من خلال عمليات ليست بالضرورة اقتصادية، من خلال القوة أو قوة الأسرة العلوية اللي قدرت تحول الأراضي دي لأراضي خاص. ده كان ما أسميه يعني الشكل الأول من التراكم، اللي هو حدث مع وصول الأسرة العلوية للحكم في مصر وإعادة تنظيمها للعمليات الزراعية، وخلقت طبقة من الملاك أغلبهم غير عاملين بالزراعة وأغلبهم غير رأسماليين في الحقيقة، لأنهم ما غيروش بشكل كبير في شكل وتقسيم العمل الزراعي بقدر بأنهم استحوذوا على العائد، وفضل الفلاحين هم اللي بيزرعوا في الحقيقة. بعد كده حصل طبعا أنه في النصف الثاني من القرن ال19 وصل الخديوي إسماعيل لمصر، ومع الخديوي إسماعيل كان في كمان طفرة القطن، فزاد الاهتمام القطن. مصر دخلت بشكل أساسي في دوامة الاقتصاد العالمي. الدخول ده طبعا في كتاب جديد طلع اللي هو Egypt's Occupation، بيتكلم عن الأموالة أو كيف حدثت الطفرة المالية في مصر، ورغم أنه الكتاب بيقول بوضوح أنه الإنجليز كانوا عايزين تحسين ظروف الفلاحين بنفس المنطق اللي بشير قاله عشان يمنعوا الثورات وما إلى ذلك، إلا أنه نتيجة عمليات الأموالة وتأسيس البنك الزراعي المصري وطفرة الشركات العقارية زادت عمليات المضاربة على الأراضي، فحصلت مضاربات كبيرة على الأراضي. ونهاية العملية دي طبعا تأسست شركات عقارية كبيرة، على سبيل المثال مثلا بنهاية القرن 19 كان في 19 مؤسسة عقارية إنجليزية وبلجيكية تستثمر أموالها في تجارة الأراضي والمضاربة العقارية وليس في الإنتاج الزراعي المباشر، وكانت تملك حوالي 180 ألف فدان. وبالتالي عملية الأموالة، حتى الكتاب بتاع هارون بيقول ده بشكل واضح، أنه في النهاية ما حدث هو أنه كبار الملاك استفادوا من العملية دي وليس صغار الفلاحين، وفي حصلت مضاربات كثيرة عن الأراضي وفقد الأراضي. كل الديناميكيات اللي حصلت في الفترة دي قبل يوليو طبعا دي في الحقيقة مركزة على الوادي والدلتا، أي الأراضي القديمة، وكونت الشكل ما قبل يوليو في هيكل الملكية، وهو هيكل ملكية مسيطر عليه بشكل كبير من صغار الملاك، لكن في فئة من كبار الملاك هي في نفس الوقت خارج الزراعة وبتأجر معظم أراضيها وبتستفيد من العائد أكثر من أنها بتحدث طفرة معينة في القطاع الزراعي. لكن كتلة صغار فلاحين فضلت مستمرة، يعني لو بصينا من 1894 صغار الفلاحين هم 83%، وفي 2005 اللي هو احنا عندنا اخر تعداد زراعي في مصر 2000 ومفروض 2010 بس المفروض في تعداد جديد، يعني فضلت حوالي 85% من المساحه مملوك، يعني من الحائزين صغار ملاك، ففي سيطره لصغار الملاك في الوادي والدلتا. لكن في الحقيقه ابتداء من ثورة يوليو بالتوازي مع قوانين الإصلاح الزراعي كان في ديناميكيات تانية بتحصل في نفس الوقت، وهي مرتبطة بعمليات التوسع في الزراعة الصحراوية. ولو بصينا مثلا على الخطط اللي بدأت مع عبد الناصر، كان في تصور لزراعة 4 مليون فدان، وبعدين السادات كان بيتكلم عن 3 مليون فدان، والنهاردة برضو بنتكلم عن 4 مليون فدان. الوضع الحالي في مصر حوالي 32% من الأراضي المنزرعة هي أراضي جديدة. إذن فهم الديناميكيات في عمليات الاستحواذ على الأراضي لن تكتمل بدون النظر لما يحدث في الأراضي الصحراوية،
وهي كمان مرتبطة بالواقع في الحقيقة، مرتبطة بما يحدث في الخمسين سنة الأخيرة، ولكن التسارع بدأ تحديداً في 1979 لما الحكومة المصرية مضت عقد تخصيص 100,000 فدان للوليد بن طلال في منطقة توشكا، وده كان يعني أنا بعتبره في الحقيقة إنه ده كان بداية ما عرف فيما بعد باللاند جرابينج أو النيو كولونياليزم أو اللي هو الاستحواذ على الأراضي عبر النهب. بدأ في مصر في 1997، وتفاصيل عقد توشكا يعني شارحة، وكانت موديل، كانت نموذج لما حدث بعد ذلك في مناطق كتيرة في العالم. فالديناميكيات دي كمان بترتكز في الحقيقة على الاستحواذ عبر قوة القانون في الأساس، لأنه الدولة حولت في سنة 82 كل الأراضي التي ليست ملك، تمام، إلى ملكية الدولة، كل الأراضي التي ليست ملك لأفراد إلى ملكية الدولة، فأصبحت الدولة هي المالك الأكبر للأراضي خارج الوادي والدلتا تحديدا. ومن هذه النقطة ابتدت تخصص الأراضي سواء لمستثمرين كبار سواء ففي توشكا مثلا خصصت 100,000 فدان لشركة سعودية و100,000 فدان لشركة إماراتية. وحديثا جدا يعني من أقل من شهرين تم تخصيص 1,000,000 فدان للشركة الوطنية للقوات المسلحة. يعني هو ده يعني ده قرار جمهوري، يعني الصورة اللي أبيض وأسود دي صورة قرار جمهوري صدر في ديسمبر 2020 وبيخصص 920,000 فدان في نطاق توشكا والعينات للقوات المسلحة. يعني الاستحواذ بقى يتم في المرحلة الأخيرة بيرتكز على الأراضي الصحراوية، وبيتم بشكل أساسي عن طريق القوى، عن طريق سيطرة الدولة على كل الأدوات. فده بيخلينا بقى يعني ننظر لهذه الديناميكيات سواء على المستوى الجغرافي، الانتقال من الوادي والدلتا في الصراع إلى الأراضي الصحراوية، أو لأشكال الاستحواذ اللي كانت في البداية بترتكز على القوة أو على الأموال، وفي النهاية بقت استحواذ عبر التوسع الإيكولوجي والرأسمالي. لأنه حتى لو كان الشركة الوطنية استحوذت على أراضي ضخمة جدا، فهي استحوذت عليها من أجل إحداث مزارع ضخمة على أساس النموذج الكاليفورني يعني، وبهدف التصدير. فهو كمان الهدف مش بالضرورة الإنتاج المحلي أو تحقيق زيادة، وده من المكتوب يعني، مش يعني من الخطاب المكتوب بشكل مباشر إنه الهدف الأساسي للشكل ده من الاستغلال هو التصدير. كل عمليات التراكم دي على مستوى يعني على مستوى الـ200 سنة مثلا اللي فاتت شكلت في رأيي حاليا مشكلتين مركزيتين للقطاع الزراعي. وهنا بنطرح مسألة السيادة الغذائية والنفاذ للغذاء والحق في الغذاء. المشكلة الأولى أو الشكل الأول هي السياسات التنمية الزراعية والريفية في مصر، اللي هي بتفصل بين شيئين. بما أنه التراكم في الوادي والدلتا انتهى، فبيتم التعامل مع الوادي والدلتا على أساس تحقيق تنمية ريفية وليس زراعية، فبيتم التعامل معهم على إنهم مزارعين، فالدولة بتعمل تنمية، بتعمل مدارس، بتعمل تعليم، بتعمل تكافل وكرامة أي دعم اجتماعي. والتنمية الزراعية انفصلت تماما عن الفلاحين، بقت استثمار في الصحراء، دعم مستثمرين، دعم الزراعة الصحراوية. من الناحية التانية في أزمة بيئية اجتماعية، لأنه الوادي والدلتا لا يزال بينتج من 50-60% من غذاء مصر في ظروف صعبة جدا، لأنه في إهمال وتجاهل للفلاحين طبعا، بس كمان في أزمة إيكولوجية، في مشكلة بيئية حقيقية في النمط الزراعي اللي ورثناه من الثورة الزراعية، الثورة الخضراء. في تدهور كبير في التربة، في تلوث للمياه سواء الجوفية أو السطحية، وفي تدهور لسبل عيش الفلاحين اللي هم نظرا للظروف المحلية والإقليمية ويعني
وضعنا في النظام العالمي ما عندهمش خيارات كبيرة غير أنهم يستمروا مهما كانت الظروف كارثية. فده شكل من أشكال يعني اللي هو الميتابوليك ريفت، يعني اللي هو تصدع التبادل المتكافئ بين الإنسان والبيئة في الوادي والدلتا في أزمة حقيقية. من الناحية التانية عندنا أزمة تانية في الأراضي الجديدة اللي هي مرتبطة بالتوسع الرأسمالي والإيكولوجي، إنه في استنزاف للموارد وفي استنزاف الطاقة، يعني أنا كتبت كذا حاجة في هذا الإطار. وطبعاً في مضاربة على القرار. يعني في دراسة أخيرة عملتها على مشروع زراعي في وادي النجرة، تم تخصيص 30% من الأراضي لصغار الفلاحين و70% لكبار المستثمرين. 90% من أراضي صغار الفلاحين مزروعة و16% من أراضي كبار الملاك مزروعة، بس تحولت من ملكية دولة، من ملكية عامة لملكية خاصة، وبتدخل طبعا في عمليات أموالة مرتبطة بالحصول على قروض أو إعادة بيع الأراضي لفلاحين صغيرين أو متوسطين. فيعني طبعا في كل ده مرتبط كمان بالتمايز الطبقي، لأنه مش كل الناس عندهم نفاذ للأراضي الصحراوية، والدولة بتضخ فيها أموال رهيبة من مال عام لا يتم الأخذ بها في الاعتبار. فده في النهاية الوضع الحالي أو الإشكالية الحالية للمسألة الزراعية أو لإشكالية الزراعة وإنتاج الغذاء كما أراها يعني في مصر. شكرا. Merci. شكرا جزيلا أو شكر ساكر pour cette excellente présentation et pour cette histoire détaillée qui nous aide à comprendre les mécanismes et processus contemporains d'accumulation par déposition par rapport à la terre en Égypte. Merci encore. Notre dernier intervenant est Mohamed Mahdi. Mohamed Mahdi est professeur de sociologie rurale à l'École nationale d'agriculture de Meknès. Il a obtenu son doctorat en sciences sur les sociétés des pasteurs du Haut Atlas à l'Université de Casablanca. Depuis plusieurs décennies, il a conduit des recherches en sociologie rurale sur les questions du changement social et du développement agricole, rural et territorial, particulièrement chez les communautés sédentaires du Haut Atlas, les transhumants du Moyen Atlas, les nomades des zones steppiques de l'Oriental et récemment du Sahara. Le titre de son intervention est le foncier agricole et l'insécurité alimentaire au Maroc. Merci et à vous, Mohamed. Merci beaucoup, Corinna Moulin. Est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Oui, Mohamed. Est-ce que c'est bon? Merci. Et merci pour l'OSAI pour cette invitation. Par rapport à la perspective historique de mes prédécesseurs, de mes collègues, moi, je vais faire une intervention un petit peu, je vais faire un peu d'histoire, mais au présent, sur la question foncière et la sécurité alimentaire. Et donc, je vais partir du politique agricole marocaine du XXIe siècle, il y en a deux qui sont marqués par l'élaboration de deux stratégies. Il y a le plan Maroc vert qui a été élaboré, qui a commencé en 2008 et qui s'est terminé en 2020. Il y a une autre stratégie qui s'appelle Génération Green qui va de 2020 à 2030. Et donc, je vais essayer de faire une petite lecture rapide dans le contenu de ces deux stratégies pour alimenter ce débat. Et donc, tout en focalisant, bien entendu, sur, je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à montrer le rapport entre foncier agricole et sécurité alimentaire. Et donc, dans cette lecture, je vais être guidé par une hypothèse
que j'ai mis dans les résumés, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer que ces deux stratégies s'inscrivent dans une optique de la sécurité foncière et pas du tout dans celle de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que l'objectif de ces deux stratégies, c'était et c'est d'assurer la terre, d'assurer du foncier agricole aux investisseurs, ou ce qu'on appelle les investisseurs, dans l'optique de développer une agriculture intensive, performante et tournée vers l'exportation, et non pas d'assurer des aliments à la population en favorisant les conditions d'une production agricole locale des denrées alimentaires de base, c'est-à-dire de favoriser, de créer les conditions d'une sécurité alimentaire de pays. Et donc, si vous voulez, la sécurité fait partie de, j'appelle, l'indisciple ou l'absent de ces deux stratégies. En fait, je n'ai pas voulu vous envoyer le titre que j'ai de ma communication, qui est « Foncier agricole et sécurité alimentaire, le disciple et l'indisciple, le disciple et l'indisciple des stratégies de développement agricole du Maroc du 21e siècle. » Donc, vous voyez, ou du 21e millénaire. Et si vous voulez, la sécurité alimentaire est absente dans ces deux stratégies. Mais je crois qu'en disant cela, je ne fais que répéter un certain nombre d'évidences parce que, en fait, il s'agit là d'une tendance qui est universelle qu'on regarde, qu'on voit un petit peu dans le monde. Mais je pense qu'il est intéressant d'examiner le déploiement, comment cette stratégie se déploie et comment cette tendance se déploie dans le cas marocain pour pouvoir justement apporter des éléments de comparaison avec ce qui se passe dans les pays voisins. Et donc, si vous voulez, la place du foncier agricole ou de la question foncière dans les politiques agricoles marocaines est centrale. Et je vais essayer de ressortir cette centralité puis de montrer que la question de la sécurité alimentaire n'est pas du tout inscrite dans l'ADN des politiques, des stratégies, et finir, si vous voulez, par une réflexion sur la sécurité alimentaire vue du côté des paysans ou des agriculteurs, on va voir. Et donc, le premier point, c'est la question foncière dans les deux stratégies. On va voir, dans un premier point, cette question du foncier dans l'air, dans le temps, du plan Maroc vert. Bien sûr que je ne vais pas trop m'étendre sur cette question parce que j'ai déjà écrit deux articles qui ont essayé de faire un petit peu l'histoire, comme a fait Sakr, l'histoire de cette question du foncier au Maroc. Mais je vais me limiter à trois aspects qui me paraissent très, très importants. Le premier aspect qui a marqué cette décennie de la première stratégie, c'est la cession des terres domaniales. Et pour aller vite, disons que c'est la principale caractéristique de cette ère, c'est de céder les terres qui appartenaient à l'État à des promoteurs privés, dans le cadre de partenariats publics-privés. Et donc, ce sont des terres qui ont été récupérées des mains des colons, après l'indépendance du Maroc, et dont une partie a été transformée en société d'État. En moyenne, c'est 300 hectares par domaine ou par entreprise ou par société. Et les amis de l'ESAI ont déjà visité un ou deux exemples de ces sociétés d'État et qu'actuellement, ils se trouvent entre les mains des investisseurs. Mais en réalité, c'est bien avant le plan Maroc vert, c'est-à-dire bien avant 2008, que cette décision a été prise de céder les terres à des investisseurs. Ça a commencé
en fait, en 2004, quand l'État a pris cette décision. Et qu'est-ce qu'on trouve à la fin, avec l'achèvement du plan Maroc vert, c'est que 112 000 hectares ont été effectivement cédés et ils sont passés des mains de l'État aux mains des promoteurs privés. Et je peux vous dire que c'était vraiment très, très insuffisant par rapport aux ambitions de la stratégie du plan Maroc vert qui ambitionnait de mettre la main et de mobiliser 750 000 hectares à raison de 70 000 hectares par an. Mais cette ambition, par la suite, a été révisée parce qu'ils ont trouvé que c'était irréalisable et on s'est contenté de 30 000 hectares par an. C'est à peu près ce qu'ils ont arrivé à faire avec la mobilisation des terres de domaine de l'État qu'ils ont distribué, qu'ils ont mis à la disposition des investisseurs. Alors, le deuxième élément très, très important qui a marqué cette décennie du plan Maroc vert, c'est un projet de milkisation. La milkisation, c'est-à-dire le passage, la milkisation des terres collectives, c'est-à-dire le passage du statut collectif au statut privé. Et ce projet, si vous voulez, des terres collectives va concerner deux régions avec un potentiel agricole très très important, là où il y a de l'irrigation, c'est l'Orarbe, pour les gens, les plaines d'Orarbe et les plaines de Haouz, à côté de Marrakech et à côté de Khenitra, etc. Et si vous voulez, ce projet, si vous voulez une expérience pilote pour servir de modèle à d'autres milkisations dans d'autres pays. Comme vous voyez, l'orientation, c'est d'essayer de mobiliser toutes les terres collectives et de changer leur statut pour essayer d'en faire des terres qui vont être privatisées par la suite. Et ce projet, il remonte au mois de novembre 2015 et il est inscrit dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Il a été doté d'un financement sous forme de dons de 400 millions de dollars. Et en fait, ce financement, il va concerner deux projets, l'éducation et formation pour l'employabilité et la productivité du foncier. Donc, une partie concerne ce qu'on appelle la productivité du foncier, dont l'objectif est d'apporter une réponse, si vous voulez, à la faible productivité agricole, en particulier dans les terres collectives. On estime que le statut des terres collectives les empêche d'être productives. Et pour qu'ils soient productifs, il faut changer leur statut et les mettre, si vous voulez, dans le marché foncier. Si vous voulez, cette faible productivité agricole est due au faible niveau des investissements et, si vous voulez, à la faible dynamique du marché foncier. Ce qui est recherché, en fait, c'est d'avoir un marché du foncier où on peut trouver des... Pardon. Alors, l'opération de milkisation a été lancée officiellement en 2019 et ça va concerner 67 000 hectares des terres collectives dans les périmètres d'irrigation durable et ça concerne 25 000 agriculteurs et 5 800 agriculteurs dans chacune des régions. D'accord ? Vous voyez que c'est très important comme opération. Le troisième élément qui était très important dans ces dynamiques, c'est la main levée sur les terres de la réforme agraire qui a été décidée en 2006. C'est-à-dire que les terres de la réforme agraire, ce sont des terres qui ont été distribuées, c'est quelque chose comme 326 100 hectares qui ont été distribués dans les débuts des années 60, fin des années 60 et début des années 70, à quelque chose comme 24 760 attributaires, c'est-à-dire agriculteurs, aux familles d'agriculteurs. Et donc, si vous voulez, cette terre rentrait dans le cadre de cette opération de la réforme agraire, mais les attributaires n'avaient pas le droit de vendre les terres. Donc, ils étaient dans l'obligation de continuer à les utiliser, mais pas à les vendre, mais en fait, c'était une location à long terme, c'est-à-dire location-vente, c'est-à-dire ils vont payer des annuités chaque année,
et après, ils vont avoir la main levée. Et en 2007, en 2006, il y avait la loi qui autorisait ces gens à avoir la main levée, c'est-à-dire à la possibilité de vendre. Et du coup, on s'est trouvé avec toutes ces terres-là qui arrivaient sur le marché foncier, et il y a des études qui montrent que pas mal de familles ont vendu leurs terres et sont devenues même par la suite des travailleurs dans leur propre terre. Et si vous voulez, à travers ces différentes opérations, on voit comment se tisse la politique foncière au Maroc. Ce sont des actions disparates, et des actions par-ci, par-là, mais si vous les réunissez, vous voyez qu'ils versent toutes dans le même sens, dans le sens de créer, si vous voulez, un marché foncier, un marché foncier agricole et même rural. La question de la sécurité, de la question foncière dans la stratégie Génération Green, ça va être un petit peu assez différent. C'est toujours dans la continuité. C'est quoi cette stratégie? Si vous voulez, il a deux priorités. Il a deux éléments fondamentaux sur lesquels il se base. D'abord, la priorité donnée à l'élément humain, parce qu'on a estimé qu'on a beaucoup négligé l'élément humain dans la première stratégie. Et donc, il fallait créer une nouvelle génération qu'on appelle la classe moyenne agricole. Donc, par l'amélioration des revenus, la protection des agriculteurs et l'aide à l'installation des jeunes. Et le deuxième élément, c'est de renforcer les premiers acquis ou de renforcer tout ce qui a été acquis par la première stratégie. Et donc, ces stratégies, ça s'inscrit dans la continuité, mais sa nouveauté, c'est qu'elle veut créer de nouvelles activités qui vont générer des emplois, notamment en faveur des jeunes en milieu rural, et dans le but, comme j'ai dit, de créer une classe moyenne agricole à l'image de la classe moyenne urbaine. Alors, c'est très amusant parce que la classe moyenne est définie par un seuil de revenus qui est égal à quelque chose comme 350 euros par mois par ménage. Donc, je vous laisse méditer le niveau de cette classe moyenne. Et donc, et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans son volet foncier, une décision phare va marquer cette stratégie. C'est l'annonce le 15 octobre 2018 par le roi Mohamed VI dans un discours qui a été prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement, d'une mesure qui consiste à mobiliser 1 million d'hectares supplémentaires de terres collectives. Et donc, cette terre, ce 1 million d'hectares qui va être mobilisé, il va être distribué aux ayants droit, parce que les terres collectives, ils ont des ayants droit, mais aussi à des investisseurs qui peuvent être soit des particuliers ou des entreprises. Alors, il y a un PowerPoint qui expose cette stratégie. Vous voyez, même le plan Maroc vert, c'est toujours un PowerPoint qui l'expose, et celui-là, c'est aussi un PowerPoint qui l'expose, et c'est des PowerPoints qui sont élaborés par McKinsey, le fameux le bureau d'études international. On parle de 200 000 bénéficiaires, c'est-à-dire c'est pour ces millions d'hectares, il y aura 200 000 bénéficiaires, dont 45 000 jeunes. Et parmi les effets attendus, c'est la création d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Donc, on ne parle pas d'agriculture ou de paysans ou de fellahs, on parle d'entrepreneurs. Donc, on est dans la perspective de créer des entrepreneurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux stratégies? C'est que les deux aménagent une place très importante à la mobilisation du foncier. La base, c'est de trouver de la terre pour les investisseurs, pour ceux qui vont... Et si vous voulez, ce sont des stratégies d'offres foncières. C'est des stratégies qui offrent de la terre. La deuxième chose, c'est que les deux stratégies poursuivent le développement d'un modèle, surtout tout le monde sur lequel tout le monde est revenu, d'un modèle d'agriculture moderne, compétitive et adaptée aux règles du marché.
Le troisième élément que je peux tirer de ces deux, la lecture de ces deux stratégies, on ne parle ni de fellah, ni d'exploitation familiale, ni de paysans, ni de paysannerie, mais à la place, on parle d'agriculture solidaire. C'est un petit peu dans le sens où Sacre parle, on parle plus de développement que, rural que de développement agricole, d'entreprise agricole, et l'objectif du plan Maroc vert est de parvenir à mettre en place 1 million d'entreprises. On parle d'entreprises, on ne parle plus d'agriculteurs, etc. On parle aussi de classe moyenne, 45 000 jeunes nouveaux agriculteurs, de familles, on parle de familles, accession de 400 000 familles à la classe moyenne, fixation en consolidation de 690 000 familles parmi cette classe, etc. Voilà, on est dans une autre perspective. Et le dernier élément que je peux tirer, c'est que les deux stratégies adoptent une sémantique, une nomenclature où la sécurité alimentaire est tout simplement absente. C'est-à-dire que la question de la sécurité alimentaire, il est implicite, mais il est réglé à travers le développement des exportations. On n'en parle pas, mais on sait qu'en développement, une agriculture tournée vers l'exportation, on va avoir les denrées alimentaires dont on a besoin. Et là, je voudrais, je ne sais pas si j'ai encore quelques temps, la question alimentaire. Je vais l'aborder sur deux points de vue, cette question-là, c'est-à-dire deux points de vue des acteurs économiques. D'une part, il y a l'État et les entreprises, et de l'autre, il y a les ménages. Alors maintenant, si on regarde la sécurité alimentaire du point de vue de l'État et de l'entreprise, on peut tout simplement dire que tous les indicateurs macroéconomiques montrent qu'on est très, très loin d'assurer, disons, la sécurité alimentaire du pays. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les conditions pour d'une production qui peut nourrir le pays. C'est-à-dire que l'évaluation qui a été faite du plan Maroc vert a montré qu'il y a énormément de réalisations en termes de production, en termes de productivité, en termes d'augmentation de superficie, en termes même d'augmentation des niveaux des exploitations. Mais dans le même temps, nous souffrons de beaucoup de manques de point de vue le taux de couverture de la consommation par la production nationale. Et donc, on se retrouve avec une autosuffisance, je dirais, pour les viandes et le lait, contrairement à d'autres. Toutefois, pour la viande blanche, c'est-à-dire l'aviculture, nous assurons la sécurité, nous assurons l'autosuffisance, mais moyennant des importations massives du maïs. Et donc, vous voyez, vous pouvez voir que ce n'est pas tout à fait ça. Le deuxième élément, pour les autres produits, le taux de dépendance des importations varie entre 40 et 60% pour le blé tendre, de 40 et 50% pour le sucre. En 2012, il y avait juste 20% qui a été produit, et de 2 à 4 pour les oléagineux, c'est-à-dire les huiles à graines. 2%. Et cette année, on a vécu, que ce soit au Maroc ou en Algérie, une grande augmentation des prix de l'huile, justement à cause des fluctuations du marché international. Et ces chiffres montrent bien que les objectifs de l'agriculture, c'est la recherche de la performance technique et économique. Il faut mieux produire pour mieux exporter, et non point pour assurer une couverture des besoins de la production locale, c'est-à-dire de rechercher la sécurité alimentaire. Maintenant, si on regarde les choses du côté des paysans, des agriculteurs, etc., la question se pose aussi dans les mêmes termes, c'est-à-dire dans les termes de le taux de couverture des besoins alimentaires, mais cette fois-ci, ce n'est pas les besoins alimentaires du pays, mais les besoins alimentaires de la famille, de son groupe familial. Et la question serait de savoir dans quelle mesure
l'exploitation agricole, familiale ou paysanne est en mesure de produire suffisamment de produits pour subvenir aux besoins alimentaires de son groupe domestique et pourquoi pas vendre une partie, si ça se trouve, sur le marché. Et donc, ce changement de perspective me paraît, moi, très intéressant parce que ça interpelle une approche que je dirais microsociologique pour aller étudier ces différentes ces situations d'exploitation agricole et paysanne. Et on a vu que toutes les politiques agricoles les dernières du 21e millénaire tendent à entraîner les exploitations agricoles, familiales, sur la voie du modèle de production capitaliste et tournée vers le marché. Et au Maroc, nous avons deux outils pour le faire. Le premier, c'est le conseil agricole. Le conseil agricole, on a monté toute une structure, le ministère et maintenant, avant, on parlait de l'Erchad Filah et de la vulgarisation agricole, maintenant on parle du conseil agricole, ce qui veut dire tout simplement qu'on va essayer de conseiller aux agriculteurs et de les orienter à travers des changements de techniques de production vers le modèle productiviste et les faire évoluer pour en faire des entreprises agricoles performantes en leur inculquant, si vous voulez, la culture de l'entreprise. Le deuxième élément, c'est l'agrégation. Et ça, c'est un concept clé dans le plan Maroc Vert. L'agrégation veut dire tout simplement qu'on va transformer les exploitations agricoles familiales en de simples producteurs de denrées. On va leur dire, vous produisez et vous les donnez aux agrégateurs, c'est un grand capitaliste qui a les moyens, etc., qui lui va se charger du conditionnement, du transport, de la transformation et de la commercialisation. Et donc, ils deviennent des producteurs de denrées et ils n'auront plus la maîtrise sur leur production. Alors, maintenant, nos observations, aussi bien au Maroc qu'ailleurs, parce qu'on est venu aussi regarder ce qui se passe un petit peu en Tunisie, montrent que dans le même temps, ces mêmes exploitations familiales qu'on veut entraîner vers ce modèle déploient d'énormes moyens et des stratégies pour garder un certain niveau d'indépendance alimentaire. Ces stratégies ne sont pas forcément agricoles. Si je prends le cas de Seyss, qu'on a comparé avec Gendoub, hein, on va voir à partir d'une enquête qu'on a réalisée auprès d'une centaine d'agriculteurs, et si on regarde juste l'assolement, c'est-à-dire comment ça se distribue les différentes cultures dans les sols, que effectivement c'est une région maraîchère, c'est-à-dire c'est une région qui maintenant commence à produire pour le marché, le produit des oignons, le produit de la pomme de terre. Et effectivement, on a trouvé que 50% de la sol, c'est-à-dire quelqu'un qui a un hectare, va réserver la moitié pour le maraîchage, et 30% pour les céréales, parce que c'est très important, c'est-à-dire avoir sa farine pour le pain, pour les semoules, etc. 7% pour les légumineuses, notamment les fèves, 7% pour l'arboriculture, et surtout l'olivier, 5% pour le fourrage, pour nourrir les bêtes. Il y aura toujours un potager et il y aura un petit élevage mixte d'ovins, c'est-à-dire des moutons. On se souvient que les gens veulent avoir leurs moutons de lait, par exemple, le halouche en Tunisie, et une ou deux vaches pour le veau et pour le lait. Mais cet exemple-là, il n'est représentatif que de lui-même parce que les situations, elles sont très, 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 très diverses. Et on voit que pour vivre, on ne compte pas uniquement sur le produit, on compte sur les produits de l'exploitation agricole et aussi dans l'importance attributaire de la diversification des cultures. On compte aussi sur le revenu tiré des produits comme le maraîchage qu'on va vendre sur le marché, mais on compte aussi sur le revenu hors exploitation des membres de famille qui vont aller travailler ailleurs, amener de l'argent, et aussi c'est pour compenser le plus souvent les faibles revenus de l'agriculture. Et donc, si vous voulez, ce sont là les piliers des stratégies actuellement des agriculteurs pour survenir à leurs besoins alimentaires. C'est la diversification des cultures, polyculture, élevage mixte, etc.
et la pluriactivité. Et ça, on le trouve. Maintenant, son modèle n'est pas valable pour tout le Maroc. Comme j'ai dit, il faut une approche un peu plus micro-sociologique pour aller voir, approcher les différentes situations qu'on a sur le Maroc pour maîtriser, cerner ces diversités, les classer sur une échelle d'autonomie alimentaire, parce que ces différentes situations, on peut les classer sur une échelle. Et je vais donner juste pour finir deux ou trois exemples. Dans les plaines fertiles, c'est le modèle que je vous ai donné. Avec de l'eau, etc., les gens arrivent, l'agriculture arrive encore à nourrir les paysans. L'agriculture arrive encore à nourrir les paysans dans une large mesure. Si vous allez dans les montagnes, et si vous allez par exemple chez moi, parce que les gens de l'Ozaï sont venus chez moi, c'est le versant sud du Haut-Atlas, les produits agricoles ne constituent qu'un appoint. Les gens ne comptent pas sur les... C'est juste un appoint. Et pour vivre, les paysans ne vivent plus de l'agriculture, mais des revenus du travail non agricole, des transferts des membres de la famille qui vivent dans les villes marocaines ou qui vivent à l'étranger. Et d'un élément très, très important, c'est l'aide de la communauté. Et ce point-là, mérite à lui seul toute une intervention sur le rôle des aides de la communauté pour les gens qui vivent dans ce genre de milieu. Et dans le versant nord, par exemple à Imlil, près de Marrakech, ou chez la Itbougmès, près d'Azilal, les systèmes de production durant les 20-30 dernières années ont complètement changé. Les gens ne font plus de céréales, ne font plus de l'élevage. Ils sont devenus producteurs de pommes et de cerises. Et ils sont devenus promoteurs de tourisme de montagne. Et donc, nous sommes complètement chez des gens qui ne produisent plus pour manger, mais ils produisent pour vendre. Et après, ils peuvent acheter ce dont ils peuvent se nourrir. Des paysans qui ne produisent plus de céréales. Si vous allez dans la montagne Rifem, c'est notre problématique à cause du cannabis. Les gens produisent du cannabis. Le cannabis, on ne le mange pas, on le fume si on y arrive. Et donc, c'est des gens qui sont complètement dépendants du marché. Et il y a des générations qui ont ouvert les yeux sur le cannabis et ils ne savent même pas conduire une culture d'une céréale. Ils ne savent pas cultiver les céréales. Ils savent cultiver le cannabis, mais ils ne savent pas cultiver les céréales. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Et il y a dernièrement, enfin, les gens de la steppe, qui produisent de la viande, un peu de lait. Ils ne produisent pas. Ils achètent des céréales, ils achètent même de l'orge pour nourrir leurs animaux. Et donc, ils sont aussi dans une grande dépendance par rapport au marché. Et si vous voulez, pour finir, quand vous regardez les modèles de développement, je crois que ces modèles qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est valable aussi pour les autres pays, d'après ce qu'on a partagé avec les amis de Tunisie, d'Égypte et de l'Algérie, ils ne favorisent pas une avancée vers la souveraineté alimentaire, loin de là. La production locale, les exploitations agricoles familiales et paysannes ne garantissent pas toujours totalement l'approvisionnement en aliments des familles d'agriculteurs. La proportion des aliments produits et celles achetées s'inscrivent dans un rapport variable sur les situations paysannes. C'est pour ça que cette idée, concept de situation est très, très important dans les analyses. Le problème, c'est que la dépendance vis-à-vis du marché va grandissante. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps, je ne sais pas. Non, ça va, c'est parfait en fait. Merci pour un compte rendu aussi riche et détaillé sur les questions agricoles, l'insécurité alimentaire au Maroc. Merci beaucoup. Alors, merci encore à tous nos excellents présentateurs. Vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion. J'imagine il y a beaucoup de questions déjà.
Nous allons maintenant passer à la séance des questions et réponses. Je pense qu'il y a déjà un peu sur le chat. Je vais maintenant passer le micro à Habib qui passera en revue, je pense, les questions du public. Vous êtes là, Habib? Oh oui, je suis là, oui. OK. Je suis là. Je ne suis pas sûr qu'on me voit, mais je crois que maintenant on me voit. Merci à tous les quatre, mais surtout aux trois intervenants, parce que moi, si j'ai retenu quelque chose immédiatement généralisable, c'est que malgré les différences géographiques et historiques et sociétales et tout ce qu'on veut et de politique immédiate, on est quand même dans la même direction, qu'on parle de l'Égypte, qu'on parle de Maroc, qu'on parle de la Tunisie. Le vocabulaire politique local n'est pas forcément comparable, mais la direction est ce que disait Mohamed, que la question de la souveraineté alimentaire n'est même plus, si j'ai bien compris, hein, Mohamed, pardon si j'ai mal compris, n'est même plus une question qui est posée dans l'élaboration des politiques agricoles, mais on cherche plutôt autre chose. Alors, les questions du public, moi, j'en ai pas beaucoup. Hein, j'en ai vu une seule pour Sakhar. Sakhar, est-ce que tu as accès au chat? Ah oui, j'ai vu les questions, en fait. Tu peux peut-être répondre et puis moi, j'aurai une question. Et je sais que Colin elle-même, elle en a préparé deux. Et puis si Bachir, Sakhar ou Mohamed, vous avez des questions les uns pour les autres, n'hésitez pas. Hein. D'accord. Hagaoub ala Hajar. يعني ما أحدثته الخصخصة في قطاع الزراعة الفلاحية في مصر باختصار شديد من 1985 بدأت عملية الإصلاح الزراعي المضاعف، بمعنى الرجوع عن أغلب القرارات الممكنة اللي اتخذت في المرحلة الناصرية. وأهم ثلاث محاور ممكن نقول: واحد، إلغاء الدعم للمدخلات الزراعية. اثنين، تقليص دور التعاونات الزراعية اللي تأسست في الفترة الناصرية. وثلاثة، ودي أهم نقطة في الحقيقة، اللي هي إلغاء الأمان الإيجاري، بمعنى أنه تم تحرير الإيجارات الزراعية في مصر في 1997، وأثار بقى القرارات عمليات الخصخصة أو تحرير القطاع الزراعي في الحقيقة كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى السياسي، لأنها سببت حزمة من الانتفاضات وحتى حصل قتلى وحصل أكثر من 100 مظاهرة في قرى عديدة في مصر، وحصل مظاهرة كبيرة في وسط القاهرة وفي سياسيين تم اعتقالهم، وحصل يعني حصلت ثورة صغيرة، تجريب لانتفاضة صغيرة، طبعا ما خدتش الدعم اللازم، بس أقصد إن هو كان على المستوى السياسي كان قرار كارثي، لكن الدولة ما تنزلتش عنه. وعلى المستوى الاقتصادي في الحقيقة، عشان بعد كده ظهر تعداد 2010، هدف الدولة من الإصلاحات دي كان هو عملية تجميع الملكيات الزراعية، وزي ما حضرتك بتقولي إنتاج شكل من أشكال التراكم. لكن لما نبص في تعداد 2010 الملكيات الصغيرة، ما حصلش أي تغير رهيب فيها، كل اللي حصل إن الأراضي انتقلت من يد لأخرى، وحصل نوع من السبيكوليشن أو التضارب في الإيجارات الزراعية. كانت سنة 97 متوسط إيجار الفدان في مصر من 300 ل 500 جنيه مصري في 97، في 2020 المتوسط من 5000 ل 8000، وأحيانا بيوصل ل 12000 جنيه مصري. فإحنا بنتكلم في أرقام يعني خيالية جدا. وفي بقى يعني في الشغل الجديد اللي أنا بعمله، في ناس بتأجر الأراضي لثلاث أشهر وأربعة أشهر، في ناس بتأجر خمس أراريط وأربع أراريط. يعني نظريا، يعني في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، إن أنت لو حررت هتوصل لتنافسية وتوصل لنتائج معينة، بس ده يعني ده على أرض الواقع يعني
ما تحققش، حتى يعني حتى لو على حساب الفلاحين حصل طفرة زراعية، ما حصلش يعني. يعني حتى المقاومات اللي ممكن تؤدي لحصار تراكم لفئات معينة للأسف ما حصلش، زادت ظروف الفلاحين سوءا، وفي النهاية في ناس مستمرة زي ما أنا قلت لأسباب، وزي ما محمد مهدي شرح إنه الناس ابتدت تكون حاجة اسمها سبل عيش معقدة عشان تفضل تزرع الأرض وتعيش. ابن بيهاجر بيركب البحر، ابن يعني حصل نوع من تعقيد سبل العيش عشان يستمروا في الزراعة ويستمروا فقراء برضه في نفس الوقت. بس شكرا. Mais j'ai une question à... Je peux poser une question, moi? J'ai une question à Mahdi par rapport... Oui, en fait, j'ai une question à Mahdi par rapport à la... Si j'ai bien compris, la génération verte, c'est la deuxième étape de Maroc vert. Ça? C'est une nouvelle stratégie qui s'inscrit dans la continuité. En fait, le plan Maroc vert... Oui. Quand ils ont fait l'évaluation, d'ailleurs c'est une évaluation interne, oui. Ça coïncidait avec un moment où le roi n'était pas très content avec les indicateurs de développement humain. Et il a dit, voilà, il y a ça. Et il dit, voilà, il y a l'élément humain qu'on a négligé. Maintenant, regardez, est-ce qu'on peut faire quelque chose devant, tu vois, quand il y a beaucoup de jeunes, etc. Mais le problème, c'est que... Bah, je ne sais pas si tu as lu le texte que j'ai écrit sur ça. Est-ce que effectivement c'est ça, hein, parce que est-ce que ce n'est pas un leurre? Comment créer cette classe moyenne? Comment la créer? C'est pas évident. C'est plus simple de donner de. D'abord, comment mobiliser les millions d'hectares? Parce que ce sont des terres collectives. Mais cette classe moyenne-là, c'est la classe moyenne. En fait, moi, les questions, c'est un peu compliqué. C'est juste pour comprendre. Est-ce que cette classe moyenne qu'on est en train de leur pousser vers l'agriculture sont des gens diplômés dans le secteur qui ont fait des études sur l'agriculture ou c'est les gens qui ont sorti en 20 février, en fait? Parce que est-ce que c'est une réponse politique ou c'est une réponse technique? Cette classe moyenne n'existe pas encore. C'est un projet. Oui, bon, ils veulent mobiliser qui, en fait? C'est un projet, et quand on parle de jeunes, on ne sait pas à qui on est en train de parler. Est-ce que c'est des fils d'agriculteurs? Il y a beaucoup de flou sur ça. Maintenant, on est vraiment sur la phase de la construction idéologique de la stratégie. Et on n'est pas encore dans l'opérationnalisation. Et même, on est dans des constructions assez larges et assez vagues. Parce que même, c'est quoi? Moi, j'étais en train de dire, c'est quoi une classe moyenne? Est-ce que, 3500, est-ce que 350 euros par famille peut constituer une classe moyenne? Au moins, voilà. Et donc, vous voyez, même pour ça, c'est pas évident. Comment on va faire pour mobiliser les 1 million d'hectares? Ce n'est pas évident, parce que les seules terres qui existent encore, ce sont les terres de parcours. Et donc, bon, on peut rentrer en négociation avec les gens, essayer de louer des terres, etc. C'est possible tout ça, parce que notre ami a parlé de l'importance, Yazid, il a parlé de l'importance des textes juridiques. On a mis en place de nouveaux textes juridiques qui facilitent un petit peu, d'abord qui facilite aux femmes d'avoir leurs droits, ça c'est le point positif, mais ils l'ont acquis parce qu'ils sont sortis dans les rues, etc. Mais aussi, ça facilite la tutelle administrative sur les terres collectives, parce que, comme vous le savez, c'est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il y a des négociations qui se font avec les NOUEB, c'est-à-dire les représentants des communautés, des ayants droit sur ces terres. Tout ça, ça reste au niveau d'une construction un peu théorique jusqu'à présent, et on n'a pas encore vu de déploiement, on n'a pas encore vu de mise en œuvre de tout ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de créer des jeunes vers ça.
Et aussi, je ne me suis pas encore informé sur ce qui est en train de se faire sur cet aspect-là. D'accord, merci. Corina? Bon, merci pour cette question, Saker, et pour cette réponse, Mohamed. Je pense, Kahbib, à des questions. Vous voulez poser votre question, si Habib? Il y a une question sur le chat. Oui, Habib, je crois que tu m'as envoyé une question. Non, c'est pas moi, Bachir. Je crois que c'est. Depuis Facebook, j'ai partagé depuis Facebook. À propos de la zéraï, non? Oui, Ernest, qui est-ce qui a envoyé le truc? Toujours le même monsieur. Une telle question me dérange un peu parce qu'elle n'est pas précise dans le temps. Moi, j'ai centré mon travail sur la période coloniale. De quel programme de réforme de la réforme agricole, j'ai pas compris. C'est après ton intervention, c'est après le cadre de ton intervention. Le dernier texte, c'est une précisation toujours de la même personne. Depuis la même personne. Alors, on va peut-être. Sauf si Bachir, tu veux quand même réagir. Je voudrais, si vous le permettez, réagir à propos d'une question très intéressante présentée par Si Mohamed à propos des terres collectives. Ça m'a interpellé parce que vous le savez certainement aussi bien que moi, sinon mieux que moi, que la même question s'est posée en Tunisie. La question des terres collectives, d'ailleurs, nous, ici, on dit « dites collectives » parce que c'est une appellation non appropriée qui a été inventée par l'entité coloniale. Réellement, ici, on utilise beaucoup plus le terme de terre « arsh », le terme des tribus. Mais ce qui m'a interpellé et qui m'a étonné un peu, c'est que cette question n'a pas été réglée et qu'elle est en train d'être réglée actuellement, si j'ai bien compris, au Maroc. Parce que le gouvernement du protectorat français en Tunisie s'est quand même penché sur cette question très, 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 très sensible parce qu'elle concerne des immensités de terrain qui étaient, selon, bien sûr, le législateur français, improductives, ces terres. Ils ont donc légiféré, la machine législative s'est mise en marche pour justement mobiliser ces terrains pour justement la colonisation. Et ça a été déclenché après avoir remarqué que les meilleures terres qui se trouvaient au nord de la dorsale, au nord de la Tunisie, ont été en grande partie colonisées. Et ils ont donc pensé à mettre la main sur ce qu'ils ont appelé les terres collectives. Ça a entraîné un débat juridique très, 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 très profond et très sérieux. Mais ce que je voulais dire, c'est que la France a pensé à régler cette situation dès 1935. Pour les terres collectives, bon, elle a un tout petit peu réglé cette question pour une très grande majorité de ces terrains en donnant à leurs propriétaires, ou prétendus en tant que tels, la possibilité justement de se soustraire de ce régime qui a toujours dérangé les Français, le système de l'indivision. C'est-à-dire qu'elle a créé donc des organismes pour que ces terrains soient partagés et deviennent des propriétés privées. Évidemment, c'était pour améliorer le rendement de la production agricole. Et je voudrais ajouter pour terminer que cette question-là est toujours sur la table et non encore réglée, surtout pour la région du sud de la Tunisie. Et je ne comprends pas comment au Maroc, on s'est rendu compte de l'importance de ces terres, si j'ai bien compris, tout récemment. Et est-ce que c'est le même système qui a été adopté par la France? Il est adopté aujourd'hui par le gouvernement marocain, justement, pour régler la situation des terres collectives. Juste avant d'intervenir, Mohamed, je ne veux pas prendre la place de Corinne, rassurez-vous, c'est elle qui gère. Je voulais juste dire qu'il nous reste à peu près 10 minutes en temps normal. On pourra prolonger encore de 5 ou 10 minutes. Personnellement, ça ne me dérange pas, et le Zim est le nôtre, donc
on peut continuer. Seulement pour les gens qui participent, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. Donc, si on peut raccourcir un peu pour éventuellement avoir d'autres échanges. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Corinne, à toi et Mohamed, je crois qu'il a été interpellé par Sibachir. Non, par rapport à l'importance, l'État collectif, ils avaient tout le temps la même importance, et c'est un petit peu les mêmes expériences qu'on a vécues, bien sûr. Moi, j'ai toujours considéré que la Tunisie a réglé cette dans une large mesure en privatisant ces terres, en les donnant carrément à ceux qui les utilisaient. Oui. J'ai vu ça dans le sud. Sauf qu'au Maroc, effectivement, toutes les terres, par exemple, quand on parle de terres de la colonisation, quand on remonte l'histoire, en fait, c'est des terres collectives qui ont été appropriées par les colons, par différents moyens, par l'expoliation, par achat, par du tournement, etc. Et moi, j'ai écrit des choses sur ça, mais il y a d'autres qui ont écrit des choses. Et l'histoire foncière au Maroc est une histoire de spoliation des terres de tribus. Oui. On peut appeler ça Aradi Arshia, dans certaines régions qui sont limitrophes de l'Algérie, on parle aussi de terres Arshia. Mais maintenant, on a inventé quelque chose de très intéressant, ça peut vous intéresser, c'est Aradi Soulelia. Et c'est très important, ce sont les femmes qui l'ont introduit. Pour dire tout simplement, nous, ils ont invoqué la filiation, pas masculine, mais féminine, utérine, comme disait Ibn Khaldoun. C'est-à-dire, nous sommes sortis du même utérus, et donc nous devons avoir les mêmes droits aux terres, parce que la tradition, enfin la coutume, les excluait de la jouissance des terres, parce qu'il n'y a pas de propriété, c'est de la jouissance. Absolument. Oui, oui. Non, moi, je crois l'histoire de... Bien sûr, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Différence. C'est la même histoire, c'est la spoliation, et ça continue jusqu'à présent. Sauf qu'ici, au Maroc, et aussi en Algérie, c'est très intéressant, parce que quand on a ce projet de mobilisation d'1 million d'hectares, dans la même semaine, il y avait une décision en Algérie pour mobiliser 2 millions d'hectares. Et donc, c'est quelque chose comme on l'a dit, c'est une tendance assez universelle. Quoi. Donc, on est soumis au même diktat des gens qui disent que les politiques, on est obligé de le suivre. Mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas près de finir. Et aussi, c'est une question politique que personne n'a voulu régler. Parce que, quand même, c'est le moyen d'avoir un œil sur les tribus à travers le ministère de l'Intérieur, puisque vous assurez la tutelle. Et puisque c'est collectif, donc c'est individu, et donc c'est toujours sous l'autorité des représentants de la tribu et des autorités, donc on est toujours dans le contrôle. Et je crois que c'est aussi ça. On ne voulait pas régler. Alors qu'il y a des appels de gens qui me disent « Ah, on veut partager, on veut faire ceci, cela. » Et même les gens de tribu veulent partager les terres. Mais on va partager quand on veut partager. Maintenant, on va identifier les meilleures terres et puis on va voir comment négocier avec les représentants du tribu pour trouver le moyen de les distribuer, de les donner, etc. Moyen location, moyen vente, moyen... Oh, si. Et les lois, depuis la France, ils ont prévu ces possibilités d'acheter, de céder, etc., de louer, etc., depuis ce temps-là. Mmh. Ouais. Merci. Je propose que Corinne pose ses questions. Elle en a mis deux sur le chat, mais comme ça, elle peut l'exprimer directement, c'est peut-être mieux. Oui, bon, il y a, bon, je pense que nous avons peut-être 15 minutes, 10 minutes à peu près. Bon, je vais poser les questions tout ensemble. Je vais commencer par les questions de Habib parce que
La question concernant l'impact du programme d'adjustement structurel agricole sur les structures agraires en Tunisie. Et pour moi, c'est ma première question est liée à la question de Habib. Pourriez-vous nous parler un peu du rôle des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dans la protection de et l'aggravation de l'injustice foncière, accumulation par dépossession et de la dépendance alimentaire. Et deuxièmement, sur la question de la production de savoir, pouvez-vous parler du rôle de la production de savoir dans la réalisation de l'injustice alimentaire, comme beaucoup ont appelé à la nécessité dans la tradition de Samir Amin de se dissocier des modes de production et de savoir coloniaux et capitalistes autour de l'agriculture. Pourriez-vous nous parler un peu sur cette question? Et bon, c'est vraiment pour tous nos intervenants. Je peux commencer, si vous voulez. Merci beaucoup. Oui, merci, Sarkar. Oui, bon, par rapport au rôle, en fait, dans la formation des réformes libérales en Égypte, l'Agence américaine de développement, USAID, et la Banque mondiale, ils ont joué vraiment un rôle central dès le début, en fait, dès les années 85. Et l'Égypte, c'était le secteur agricole égyptien, en fait, c'était comme un laboratoire d'essai de ce modèle des réformes néolibérales avec tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'annulation de tous les types de subventions et aussi la réforme ou la libéralisation des locations agricoles. Et tout l'argument derrière ça, c'était fait par ces deux institutions internationales, c'est-à-dire tout cet argument autour de ça va soulever les questions agraires en Égypte, on va trouver cette productivité, qu'est-ce qu'on cherche, on va trouver l'agrégation et l'accumulation des petits morceaux agricoles, on va finir avec une grande exploitation familiale qui est capable pour produits pour le marché. Donc, tous ces arguments des produits pour le marché international, c'est fondé par l'USAID et la Banque mondiale. Donc, et c'est toujours malheureusement un discours dominant. Par contre, et pour répondre aux deuxième questions, en fait, il y a quand même en Égypte une école d'économistes hétérodoxes et des sociologues ruralistes ou des géographes ruralistes qui travaillent historiquement, par exemple, au sein des partis comme Tagamoua, mais aussi dans des ONG ou des indépendants qui essayent d'acquérir un contre-discours qui est là, qui est, je ne peux pas dire dominant, mais qui est là et qui essaye de... Et même dans le média, pour ne pas oublier, parce que dans le média égyptien, il y a quand même des journalistes, économistes hétérodoxes qui ont essayé de pousser vers l'idée de sécurité alimentaire et même de souveraineté alimentaire. Moi, j'ai travaillé un peu sur l'héritage des sociologies rurales égyptiennes et comment il y a beaucoup de courants et comment le courant radical, il est toujours là, il est toujours minoritaire, bien sûr, mais il joue un rôle quand même pour nourrir un contre-discours qui est toujours là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci pour cette excellente réponse, Sakhar. Quelqu'un d'autre aimerait-il répondre à ces questions?
Corinna, par rapport, je ne vais pas répondre, je vais pas ce qu'a dit Sartre, vous savez, et ça, on peut le développer un peu partout. Parce que voilà, quand là, justement il a parlé de labo, oui, ça continue partout. La chose fondamentale, c'est le désengagement de l'État. Et vous pouvez le lire d'une autre manière, désengagement de l'État veut dire abandon des paysans. Et c'est comme ça que les gens l'ont compris. Et l'État nous a abandonnés. Et parce que c'est quoi que l'on dise, dans les années 50, etc., chez nous, les paysannats, les secteurs de modernisation de paysannat qui ont été montés par Berck et par Julien Coulot, etc., offraient des prestations pour les agriculteurs, bien sûr, dans l'objectif de moderniser le fallah, etc. Mais tout ça a été abandonné. Et les gens, vous parlez aux gens, ils vont dire, ah, les intrants sont chers, etc. Et le tracteur est cher, alors que y avait tout ça dans les centres de travaux et c'était au service des agriculteurs. Et pour moi, le désengagement, ouais, tout simplement, l'État qui ne fait plus rien pour les paysans. C'est clair, net. Donc, si on veut, par rapport à votre question sur le savoir, la production du savoir, est-ce que vous parlez de savoir paysan versus savoir technicien? Savoir local versus savoir. Ah oui, voilà. Voilà, ça ouais. En ce moment, je suis à Terre-Neuve et je vais monter chez moi. Je discute beaucoup avec les gens. Effectivement, j'ai donné l'exemple du cannabis. Mais le cannabis a entraîné une perte de savoir énorme dans le nord du Maroc. Alors que des gens qui avaient la possibilité de produire, d'ailleurs c'est la seule région du Maroc où on produit du fromage, de chèvre, etc. Et c'est des endroits où les gens arrivent à vivre et même ils ont une longévité parce que tout simplement à cause de leur régime alimentaire. Et tout ça est perdu. Quand je vois chez moi, j'ai envie d'écrire un livre juste sur comment les gens, à travers leur savoir, arrivent à manger. Parce qu'ils arrivent à gérer le temps de la production avec les moments de soudure, etc. Et je crois, je parle juste sur les aspects de l'alimentation. Mais il y a énormément d'autres aspects qui, bien entendu, vont être perdus avec ces avancées de la production, comment dire, conventionnelle, etc. Ça c'est clair. Et c'est un chantier à ouvrir qui est très très intéressant. Voilà. Moi, j'aimerais bien réagir à la question de Corinne. En même temps, ça permet de réagir aussi à l'intervention de Sarkar. En Égypte, par exemple, par rapport à l'intervention des IFI, des puissances financières internationales, Banque mondiale et compagnie, la question agricole en Égypte, particulièrement, peut-être plus que les autres pays, parce qu'au Maghreb, on a la pluie, en Égypte, toute l'agriculture est systématiquement liée à la gestion des eaux du Nil, ou dans certains endroits désertiques, aux eaux souterraines. Les aménagements hydrauliques, le système de la gestion de la crue du Nil en Égypte, a subi un développement pendant les années 70, 80, 90, 2000, de plus en plus modernisé, c'est exactement le même modèle que le c'est lui en Californie et dans d'autres régions intensives du monde. Et donc, comme la gestion même de la ressource hydraulique est un peu définie par des interventions extérieures, non pas gérées, mais définies, élaborées avec l'intervention des intervenants extérieurs, et on a la question agricole devient presque secondaire dans le sens où c'est le système de l'accès à l'eau qui détermine le système de production agricole. Ça l'est
évident aussi un peu en Tunisie et au Maroc, je crois, au moins jusqu'à un certain niveau. En Tunisie, la région de Sidi Bouzid, c'est un projet de la Banque mondiale. Essentiellement, c'est un projet du gouvernement tunisien. Mais le modèle lui-même, il est, quand on se promène dans la région de Sidi Bouzid, on est dans des, ça peut être dans n'importe quelle région du monde, c'est exactement le même modèle intensif. L'irrigation, là en l'occurrence, c'est sur les eaux souterraines, et ça obéit exactement aux mêmes normes que ce soit pour les pesticides, pour les semences, pour les engrais, pour tout ça. Donc on sait que ça, c'est ce modèle-là, en dehors, s'il n'y avait pas le soutien des puissances financières mondiales, étatiques ou non, ce modèle-là ne pourrait pas tenir, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si Bachir, est-ce que vous voulez répondre à des questions? Non, pas spécialement. Donc je m'intéresse beaucoup plus à la partie historique. Donc ce que vous dites, bon, à propos du savoir et savoir actuel, savoir colonial et tout ça. Non, je préfère ne pas me hasarder sur ce terrain et voilà, je n'ai pas de commentaire. Mais est-ce que je peux me permettre rapidement une petite question aussi à Mohamed? C'est très intéressant d'échanger avec lui, comme les deux pays sont pratiquement similaires en ce qui concerne la gestion du domaine agricole par l'entité coloniale était pratiquement la même. C'était le même statut, disons juridique, sans deux protectorats. Et il a parlé justement des terres domaniales. Et la gestion des terres domaniales, et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est mon souci aussi. Et il a dit, je crois, que ces terres ont été, je crois, distribuées aussi, les terres qui appartiennent à l'État. Finalement, elles ont fini d'être liquidées pour des particuliers. Ça s'est fait, je ne sais pas en quelle date. Pour nous, la Tunisie, elle a hérité, j'avance le chiffre le plus partagé actuellement par les historiens, presque 800 000 hectares qui étaient classés comme terres domaniales, avec bien sûr la fin de la colonisation. Et malheureusement, ces immenses étés qui concernaient des terres parmi les plus fertiles, disons, de la Tunisie, ont été très mal, peut-être je parle sous le contrôle de Habib, ont été très mal gérées, parce qu'il y a eu pratiquement des ventes ou même parfois des dons faits par l'État pour des gens proches du pouvoir dès les premières années justement de l'indépendance. Et la gestion de ces terres était très 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 mal faite, à tel point que des récoltes qui se réalisaient à l'époque coloniale, on ne les trouve plus aujourd'hui. Donc c'était un désastre pour certaines terres. D'autres, évidemment, qui sont tombés entre les mains de quelques experts, disons, en la matière, ont peut-être continué et même se sont améliorés pour donner de bons résultats. Pratiquement les deux tiers de ces terres ont été perdues, Si Bachir. On voilà. Est à moins de 300 000 hectares aujourd'hui. Donc, des 800 000 qu'on avait hérités. Oui, on a plus qu'un peu moins de 300 000. Je laisse peut-être Mohamed réagir et après la parole à Corinne pour conclure et finir. Voilà. Rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de ces choses, comme je vous ai dit, dans deux articles qui sont disponibles. En fait, on a récupéré 1 million d'hectares qui ont été partagés en trois. Nous aussi, on a vécu les moments de flottement où un certain nombre de fermes, etc., sont passées comme ça, des mains du colon vers les nouveaux colons ou les nouveaux ou des riches marocains, voilà, tout ce capitalisme agraire qui s'est constitué, etc. Mais là, une partie, comme j'ai dit, une partie a été distribuée dans le cadre de la réforme agraire et j'ai donné le chiffre.
une autre partie, il est là sous clé, bon, parce que le pouvoir a toujours besoin de terre pour faire plaisir, etc. Et l'histoire, d'ailleurs, si vous lisez l'histoire, c'était ça. Les ces terres, c'était toujours des terres qui ont été données à des gens qui sont proches du régime, etc. Historiquement, hein, depuis 3 ou 4 siècles, etc. Alors, le reste des terres, effectivement, ils ont constitué le domaine privé de l'État. Ils étaient transformés au modèle de société agricole. Mais effectivement, c'était des dotés de moyens, etc. Mais comme par hasard, c'était des sociétés qui étaient toujours déficitaires, comme par hasard. D'accord ? C'est partout la même chose, parce que c'est le meilleur moyen de dire, voilà, il faut s'en débarrasser. Ils sont déficitaires, il faut s'en débarrasser. Et bien sûr, c'était dans le cadre, c'est à partir de 2004, c'est donc dans le cadre de partenariats publics-privés. Mais légalement, tout est bien fait, parce que c'est des appels d'offres et les gens viennent avec un dossier, etc. La nouveauté, c'est que il y a de l'argent. Il y a de l'argent avec le plan marocain, parce qu'il est doté de 10 millions de 10 milliards de dirhams. Non, de dollars. Et comme l'a dit Sakhr dans sa région, le 9 milliards, c'est pour la grande agriculture. Et 1 milliard, c'est pour l'agriculture solidaire. Et ces 9 milliards, c'est pour justement ces fermes. Et ça a permis d'avoir des fermes de 1 milliard de dirhams. Voilà. Et c'est des fermes maintenant qui marchent très, très bien. Qui marchent très bien dans le sens capitaliste du terme. C'est-à-dire, il y a de l'eau, il y a de la production, il y a de l'exportation, etc. Voilà un petit peu l'histoire de ces terres. C'est pour ça qu'on n'a plus rien. Et la seule réserve qu'il y a, ce sont les terres collectives. Et les terres collectives de parcours. Parce que les terres collectives qui sont cultivées, sont dans l'irrigué, ils sont bien, etc. Il y a certains qui étaient des fermes aussi, etc. Sur le même modèle. Il y a d'autres qui sont entre les mains de petits agriculteurs. Et cette catégorie de terres qu'on est en train de vouloir melkiser, c'est-à-dire donner aux gens un titre foncier. C'est simplement pour qu'ils aient la possibilité de les vendre. Voilà. Et on est dans un processus que je trouve, moi, diabolique. Voilà. Effectivement, merci. Merci. Très merci beaucoup, Mohamed et Béchir. Portez-vous bien, oui. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Nous arrivons maintenant à la fin de notre événement. Je tiens à remercier à nouveau tout le monde d'avoir pris le temps pour être parmi nous ce soir. Et un grand merci à nos panélistes, les intervenants. Je pense que nous avons tous appris énormément, moi inclus. J'ai hâte de poursuivre la discussion et de lutter ensemble pour la justice foncière et la souveraineté alimentaire. Bon fin de soirée à tous. T'espero a la khair et à très bientôt, j'espère. Allez.